Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pokémon Résurgence. J'ai fait ma petite team et on se retrouve devant ce putain de Terrakium que je n'ai pas pu choper au dernier épisode, que l'on va se faire tout de suite. J'ai entraîné le Metalos, enfin le Terral que vous avez vu évoluer en Metalos au dernier épisode. Je l'ai mis spécialement en attaque au corps à corps. Et il a ces attaques-là avec la Delta Metagrossite. Tout simplement. Alors, par contre, il y a un truc qui fonctionne pas et je me suis demandé ce que c'était, donc j'ai été voir sur internet, c'est ça, Crystal Rush. Je connais pas cette attaque, a priori c'est censé transformer Metalos en un Metalos bleu. Metalos de cristal, je crois, un truc comme ça. Le problème, c'est que j'ai l'impression que ça fonctionne pas. J'ai totalement une ROM du jeu totalement buggée en fait. Et pourtant j'ai téléchargé sur leur site. Pokémon Résurgence. Donc bon, je sais pas ce qui se passe, mais voilà. On va bien voir une fois qu'on aura lancé tout ça. Vous êtes prêts? Allons-y. Donc on va faire la méga évolution, puis le Crystal Rush. On va bien voir. J'ai à quoi il ressemble parce que je l'ai pas fait. Donc... Ouais, c'est un méga Metalos, mais voilà. Et est-ce que ça fonctionne quand on fait le cristal alors qu'on est méga transformé? Non. Vous voyez, ça fait juste ça. Donc bon, voilà quoi. Alors ça c'est pas très efficace, je sais. C'est fait exprès. Voilà. Par contre, a priori, je prends pas de dégâts. Mais Crystal Rush. Voilà, ça fonctionne pas. Donc on ne verra pas le Metalos de cristal. Youpi! Encore un truc qu'on ne pourra pas voir. Décidément, ce jeu est totalement buggé. On n'a pas la méga Delta Dracophyte. On n'a pas le Metalos de cristal. Et on n'a pas plein d'autres trucs. Je sais pas du tout ce qu'elle a cette version, mais bon. On peut déjà s'estimer heureux de pouvoir y jouer. Allez, j'augmente un peu la vitesse. Ah, et à ce qui paraît, bon, j'ai été voir sur internet hein, pour Arceus, comme vous voulez. Beaucoup disent qu'on ne peut pas le recombattre, et il y en a qui disent que si, on peut le recombattre. Donc je ne sais pas du tout qui a tort, qui a raison. Ce qui fait qu'on va peut-être retourner voir aujourd'hui. Mais je dis peut-être parce que bon, je sais pas vraiment si on aura le temps ou pas. Ah, ça va moins de shot. Avec son attaque à 4, c'est fini. Ah non. Oh. Et ben on va en profiter. Reste un PV. Endormons-le. Normalement, là, ensuite, là, les Pokémon qu'il y a là après, normalement, ils sont censés lui résister. Putain, ça a été sur run encore. Cette manette de malheur. Dommage. Il y a un one shot, c'est sûr. Normalement, Gaïa devrait tank. Je dis bien normalement. Parce qu'avec son attaque à 3,5, il était pas à 4. Il a perdu un peu de puissance. Ah, il y a eu intimidation peut-être.
Ah, il y a eu intimidation du Arcanin, je crois. Eh bien, putain! En espérant qu'il n'ait plus de Stone Edge. S'il n'a plus de Stone Edge, il peut rien faire. Yay! S'il y a ce que des danses là, mais des lames saintes là, c'est parfait. Il peut plus gagner. Ah non, il a Rock Slide. C'est fini. J'avais pas prévu ça. Là, il est sous entrave, donc ça va. Mais dès qu'il ne sera plus... Ouais, il est plus sous entrave, il va pouvoir me one-shot, là. Ouais, il le fait pas. Encore un coup de peau. Pff. Ah bah là, c'est mort. C'est fini. Oh! Bien joué, Lucifer. C'est gagner un tour. Oh, j'y ai cru. Oh putain. Oh putain. À 2 points de vie. Ce coup de peau incommensurable. Et là je tombe sur un Pokémon sauvage et il me tue. Ce coup de peau incommensurable. C'est ce qui me caractérise généralement, mais bon. Ces coups de peau. Là ils ont bien mérité un petit repos là, voilà. Bon. Ensuite, allons voir maintenant si Arceus est là. Je vais vous passer le voyage. Ouais, on va faire ça. Je vous passe le voyage. Voilà, on y est. Alors, heure de vérité. Rien. Nada. Que dalle. Alors... Soit il faut revenir plus tard, soit on doit récupérer la flûte azurée. Et la flûte azurée, soit Recra l'a remise là où Taen l'avait prise, c'est-à-dire dans les ruines alpha, je sais pas quoi, ou elle est dans sa base. Deux choix s'offrent à nous là. On va aller du coup du côté de la première base de Recra. Dans la ville principale. Hein. Et on va voir ce que ça donne. Ah, ici il y a des trucs de Meloetta. Ouais, prochain épisode. Quoi qu'il arrive, on fait tous les trucs de Meloetta. Tous les puzzles.
Ce sera chiant. Mais on doit passer par là. Du coup, allons dans la ville principale. Allons voir si Recra a laissé quelque chose pour nous. Oups, bon, j'aurais pas dû. Je me demande si Yarn est de retour. Oh! Qu'est-ce que c'est? Volcarona Armor. Kazan, méga évolution, Megastone, les origines de Megastone, on s'en fiche. Super, l'armure, Volcarona. La Team Rocket, Pokémon Mewtwo. Delta méga évolution. Laboratoire Key, quoi? Vous avez retrouvé une flûte? Vous avez retrouvé une flûte? Vous avez retrouvé une flûte? Oh oh! Il y a une flûte? D'accord, je vois. De toute façon, je crois que j'ai fait une connerie pour le début là. Je l'ai poussé en... Je savais pas du tout ce que c'était, du coup je l'ai poussé. C'était une connerie. Alors, ne touche pas à ça, petit con. Ah merde. Oh non! Je l'ai poussé une fois de trop. Oh, fait chier la manette. Ah, oh, cette manette qui fait chier. Oh, cette manette casse-bonbon qui appuie une fois de trop, comme pour le run. En tout cas, il y a un truc à y faire, ça c'est sûr. Protège vraiment toutes ces infos, lui. Il y a que dalle ici. Ah, mais c'est peut-être pour l'amener quelque part. Je crois savoir. C'est qu'il va pas y avoir assez de rochers, il va falloir l'amener sur un... Là, il y a deux rochers, trois. Ah non, il y en aurait assez.
Il en aurait assez, mais il n'y aurait pas assez pour amener lui. Bon bah commençons. Mettons-le plutôt ici. Ah, je vois. C'est plutôt pour ça là-haut. Ah non, ça c'est quand ça nous aura débloqué ça. Des trucs jaunes. 3 switch. On a 4 rochers. Il y en aura pour me faire merde. Oh non. Oh non. Oh non. Putain de manette. Est-ce que ça veut dire que je dois recommencer dès le début? Me dites pas que je vais devoir recommencer tout. Putain, c'est quoi ces rochers qu'on peut déplacer facilement là, c'est vrai quoi. Oh là 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 là. Ah non non. Il y a un moyen de sauver. Il y a un moyen de sauver tout ça. Voilà. Je bloque. Non. Faut d'abord faire les violets. Ah merde. J'ai fait un peu de con. Je sais pas si ça marche. Hein. C'est qu'un test. Oh, je suis trop éloigné là. Non. Ah non. Et du coup? Ça fait un truc? Non. Ça fait que dalle. Bon. Parce que je sais pas comment... Enfin... Voilà quoi, on peut pas tirer les trucs. Peut-être à voir avec Manafi, mais... Ou alors il doit rester un rocher en bas, peut-être. Est-ce que si j'enlève ces rochers-là... Ah non, c'est bon. Oh bah si c'est bon, alors c'est... Bah voilà. Ah, on fallait juste le savoir, ça. Ah,
Ah non. Dans tous les cas. Bon, par contre, ça me bloque le passage pour retourner en arrière. Mais au moins, voilà. Et il m'en faudrait un de plus. Oh putain. C'était à ça que servait le Manafi. Fermé, non, donc c'est bien ça. On va juste voir un truc. En fait, y a pas un troisième rocher dans le coin. Non, ok, donc il y a vraiment un truc avec, à faire avec ce Manafi. Je sais pas à quel point on peut s'écarter. Non. Faut qu'il soit encore dans l'écran, au moins, j'ai l'impression. Non. Même pas. Faut qu'il soit visible par le personnage. Je pense que c'est ça, ouais. Faut qu'il soit visible par le personnage. Si je le fais là... Ah non. Faut qu'il soit simplement visible par à l'écran. Ah mais comment je vais faire pour le renvoyer là-haut? C'est fini? Je pourrais pas le renvoyer là-haut, vu que je suis descendu. Ah mais si, je suis con, j'ai juste à y aller. Ah y aller comment? Ça a changé de place, mais voilà quoi, c'est pas... Est-ce que... Ah mais il suffit d'une simple pression. Donc oui, la statue sert à quelque chose. Là, si je me mets là-dessus, le truc il disparaît. Donc si je fais ça, c'est ça. Voilà. C'est bien avec une petite sauvegarde tout ça. Voilà, allons-y. Je me demande ce qu'il y a. Et il n'y a rien. Si, ah. Ah. Encore un truc. On peut que les tourner. Oh la vache. Oh punaise. Alors lequel en tourne moins? Oh un décal.
Oh la vache. Ça, c'est forcément comme ça. Il n'y a pas d'autre solution. C'est-à-dire que ça, c'est forcément comme ça, là. Lui, il faudrait le mettre comme ça. Voilà. Faut pas penser à celui qu'on bouge, faut penser à l'autre. Voilà. Voilà. On y est presque. Il manque juste un petit truc. Voilà. Ah merde. Presque. Vraiment pas loin. Il y a celle-là seulement qui est chiante, qui veut pas bouger. Là, il manque un coup. Un, deux. Tac. Tac. Thank you.
Il y a toujours un bout qui manque et c'est chaud. Recommençons à zéro. On a de la chance, le premier est déjà bien placé. Eh bien punaise, le coup de peau. Ça appelle Mewtwo, j'imagine. Il nous attaque pas tout de suite, et je fais une sauvegarde. Voilà, allons-y. Sauvegarde avant, encore une fois, et hop. Bon, c'est pas le mieux tout noir, par contre. Ouais. Bon, allez. Il est niveau 100, donc on va pas lui faire de cadeaux. Ça suffira pour le moment. J'ai cru que ça allait le choper. Ça va, il n'a pas de truc pour augmenter sa puissance d'attaque ou quoi que ce soit, lui. Donc ça devrait être bon. Il sort au bout de 3 fois par contre, mais bon. Et j'étais faire le plein, hein. Pokéball, c'est pour ça que j'en ai pas. Il y a des attaques de merde hein, pour un Mewtwo niveau 5. Par psycho là, ouais. Et non, c'est même pas psycho, c'est choc psy. N'hésite pas à commencer défense spéciale, ouais. Voilà, tester les ultra beaux. Hein. Ça revient presque au même. On va pas gâcher les anciennes boules pour ça. Thank you.
En tout cas, on est chanceux qu'il ait pas souvent. Ça. Là, par contre, choc psychique peut faire très mal. S'il décide de le faire. Voilà. Voilà, un PV. Dommage. Ouais, il est sorti direct là. Faut vraiment avoir du pot. Au revoir Odin. Long Wang, à toi. Prends un peu. On a l'habitude que ça retourne sur Fight. Il y a une attaque spéciale très puissante en tout cas. Ou non, c'est une attaque au corps à corps ça, Psy Strike. C'est la pure et simple attaque. Voilà. Je vais juste de l'endormir. Un petit coup. Bon bah on n'a pas eu Arceus, mais on a eu Luca. Mewtwo au moins. Y'a pas de Mewtwo Hit ou comme ça, non? Ok. Bon bah, sortons de là. On sait jamais, ça pourrait être là. Hop. Ouais, c'était tout. Bon bah les amis, sur ce, je vous dis à tous ciao à plus. Est-ce que c'était son fameux laboratoire? Possible, hein. Sauf que j'ai pas ouvert vu que j'ai eu les clés. J'ai eu les clés d'un laboratoire, mais ça me dit rien. Enfin, je l'ai pas utilisé là. Donc je sais pas du tout. Peut-être là, non. Bon, je regarderai, hein, on verra bien. Là, En fait, j'ai plus d'idées sur quoi faire à part le truc de Meloetta. Donc bon, je vais regarder un peu les scénarios qui nous restent à faire sur Internet, histoire de voir ce qu'on doit faire pour débloquer un truc, puis ensuite je suivrai selon la logique du truc. Sur ce, donc, ciao à plus. Et rendez-vous au prochain épisode où on verra. Peut-être que je ferai Meloetta, peut-être que je ferai un autre truc, j'en sais rien. Allez, salut à tous!